Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Skyforge avec Aro. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Bah écoute, la patate, la pêche. Bah allez, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, donc on va faire un donjon. Alors j'étais partie sur la faille de Tétain, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais on verra. Okay. Alors, un ancien chemin de pèlerinage traverse la faille de Tétain jusqu'à un sanctuaire. Récemment, des mantides sont sortis de leur grotte et s'y sont installés. Même si ce chemin n'est emprunté que par des pèlerins, cette menace doit être éliminée. Donc en gros, on va tuer des mantides. Ah ok, y a pas de soucis. On va voir ce que ça donne. Bah oui, oui. Comme elle accepte ou toi, je sais pas qui a pas accepté. Moi j'ai accepté, non? Si, si, ça y est, tout le monde a accepté. Oh oui, on est parti. Un bel écran de chargement avec. Avec des magnifiques hommes insectes immondes. Voilà, c'est ça. Ça donne... Déjà que t'aimes pas les insectes, là, ça donne encore moins envie d'avoir des insectes. Difficulté facile, moi. Alors ça devrait aller. Ah, déjà, j'aime bien le décor de la forêt et tout, déjà. Ah bah c'est... moi j'aime bien, enfin, quand c'est dehors comme ça, j'apprécie vraiment. Alors, bon, allez. C'est un petit chemin qui a l'air assez long, j'ai regardé la carte. On va voir, hop. Parce que la carte... Ah oui, bon ça va, ça, c'est... il a l'air d'être court, hein, quand même. Enfin, le premier boss. Ouais, il est un petit peu long. Hein. Allez. Ça doit être distance, on va maigrir, on va perdre toute la fête de Noël. Alors tu attends, quelle difficulté sur ce donjon toi? Facile. J'étais en facile aussi. Ça devrait aller. C'est ça. Ouais, de toute façon, tu donnes. Oui, parce que normalement, les mobs sont censés se rapprocher, mais là, ils ne se rapprochent pas. Ouais, ouais, je vois ça. Je suis contente d'avoir vu des mobs qui se rapprochent pas. Ah, t'as eu une. Allez. On descend dans les bois, hein. Ouais. Les hommes insectes sont des bûcherons. C'est ça. Et donc, ils nous ont construit des super. Mais ils sont vraiment atroces, hein, ces mobs. Hein. C'est moche. Enfin, ils sont bien faits, hein. Je dis pas le contraire. Ils sont très bien faits, hein. Mais ils sont moches. Ah, bah, c'est pas tout ce que c'est. T'as un homme avec une tête de mouche. Bah, écoute. Ça fait très l'attaque des mouches, le retour, quoi. Très Stephen King, bonjour. Skyforge, Stephen King. Attends, au miel met du temps, peut-être qu'il a... Non. Un chemin secret dont lui seul connaît l'existence. Non, il devait peut-être se gratter le nez, quoi. Ah non, il a changé de classe, là. Ah, il a l'artilleur, hein. Oui. On ramasse les petits coffres, ils sont redevenus normaux. Oui. Allez, mais j'aimerais bien du stuff, moi, pour une fois. C'est des pokéballs, quand même. Équipement. Bon, j'ai toujours pas de stuff meilleur que moi. Meilleur que toi, oui, y a pas de souci. Non, mais meilleur que ce que j'ai là. Rien ne me surpasse. Oh là là là. Allez, aujourd'hui ce soir c'est les compliments partis, allez. Là. Bon. Ah, bon, je crois qu'on arrive au premier boss. J'ai un gros canon passé. C'est quoi ce machin? Bah, généralement, ça doit être un verre. On dirait un verre avec un. Ah, bah, c'est la mouche. En fait, tu sais, on en a déjà battu le bâtiment de ça. C'est un verre avec un bâtiment sur. Voilà, il pond les trucs. Voilà. Aïe, aïe.
il y a un petit peu on a il y a des adans. Ouais bah oui oui ouais. Sa maison sur la c'est quoi cette espèce de... Ah mais d'accord, c'est Omiel qui... J'ai pas l'habitude de voir des artilleurs. Mais c'est qui m'attaque? Ah non, quand je vois un rayon toi. Bizarre, j'ai peur. C'est juste le mec derrière toi. Un peu de vie. Allez. Ah allez, allez. Hop, il y a un petit peu de vie. J'étais trop vite. Hop, hop. Voilà. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, un item bleu. Un artefact. Ah ben, moi j'ai eu un verre. D'accord. Bon, ben, on continue. Ah, par là, regarde, t'es pas allé dans le bon endroit. Ouais, ouais, c'est bon, je suis au miel. Après, je lance pas un appel, mais je vous le dis comme à chaque fois, vu qu'on est blonde. si vous jouez à Skyforge et que vous avez un nécromancien, que vous savez jouer, si vous avez des conseils, parce qu'on ne maîtrise pas du tout la classe encore, si vous avez des conseils à nous donner pour maîtriser le nécromancien et pour le gameplay, on est preneuse, n'hésitez surtout pas à nous donner votre avis, votre façon de jouer, etc. Ça peut nous permettre de nous améliorer et d'avancer plus rapidement. Alors je dis, on ne sera pas du tout vexé. Hein. Ne vous inquiétez pas. Non, on vient juste d'avoir la classe aussi bien l'une que l'autre et on la maîtrise pas du tout. Donc, Non, bah, la preuve, j'ai fait l'entraînement là. Et ça m'a bien servi parce qu'il y avait des choses que j'avais pas compris. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la classe. Ouais. Ah, une amulette. Attends, je vais équiper. Là, t'en avais pas aussi ? Équiper. T'avais rien quoi, t'étais à poil. Non, j'ai débloqué un deuxième emplacement d'amulette moi. Ah, comment t'as fait ça ? Il faut avoir dans ton sac, normalement tu as des cristaux d'éther, et quand tu en as 100, tu double cliques dessus et ça te débloque un emplacement d'amulette. Ouais bah j'en ai 700 et ça me débloque pas le truc quoi. Mais bon, pas des noyaux d'éther hein, des cristaux d'éther. Ah ok, d'accord, je n'ai pas ça. J'ai un peu m'éloigner. Ah, le balancement crâle. Hop. Ah ben voilà, j'ai mis ta question. Bah ça se loot sur tous les mobs hein. Ah bah je vais regarder combien j'en ai hein, parce... Bah j'en ai 230. Ah, tu double-cliques deux fois et tu vas libérer deux emplacements, donc t'en auras trois. Ah bah ouais, c'est plus de faire. Ouais. Ah ouais, bah ouais. Et ça sert qu'à ça, les noyaux d'éther ? Oui. Okay. Non, les cristaux d'éther. Les cristaux, pardon. Les noyaux, ça sert à améliorer de la classe, mais j'ai toujours pas compris comment encore. Ah si, c'est sur les nodules, hein. Moi j'ai compris. J'ai rien compris aux nodules, moi. Alors, c'est quand tu finis tout un truc en entier. Tu sais, faut finir tout le vecteur en entier. Oui. Le cercle. Ben, quand t'as fini tout le cercle, tu peux sur le côté et tu peux débloquer une particularité de plus. D'accord. Si je dis pas de bêtises, hein. Faut que je regarde parce que des noyaux d'éther, j'en ai au moins 1000. Et en fait, moi j'ai trouvé des trucs. Aïe, c'est quoi ce truc? Ben, il fait des. J'ai fait une boule autour de moi. La vie. Ah! Ah! Voilà, ouf! Plus de vie quand je suis. Ah, ça a l'air pas mal, l'artilleur! Hein. Ouais, c'est pas mal aussi! C'est une des dernières classes qu'on débloque, je crois! Hein. Ouais, en fait, je suis partie pour aller faire des pokés d'archer là!
Moi, j'ai toujours pas bougé, vu que j'ai pas avancé depuis que j'ai débloqué le nécro, mais je vais partir vers vers l'archer aussi, je pense. Donc, Ou le sorcier encore, je sais pas, faut que je regarde. ouais, bah, en fait, il faut passer. Le sorcier est pas très loin de l'archer quand même. Donc, ça s'en va dans le même sens. Allez, on reprend, ce sont des belles. J'allais dire des belles hommes insectes. Je suis fatiguée, hein, Les hommes mouches. Voilà. Oh là Ça fera c'est tellement moche que ça fera un beau costume d'Halloween. là. Et je vais dire ça à Effectivement. mon chéri, je dis pour le prochain Halloween, tu te déguises en mouche. Ah ouais, bah oui. Oh bah t'es sûr que tu fais peur, hein. Ah. Non mais je sais pas pourquoi la bouche est toute petite, mais ça fait toujours peur aux gens. Mais c'est pas que ça fait peur la mouche, mais pour moi la mouche, enfin, ça représente la Oui, c'est saleté en fait. dégueulasse. C'est une mouche à Ouais, merde. voilà, ça représente la saleté en fait la mouche. Ouais, bah. Puis c'est moche quoi. Ah bah ça, je t'ai dit que c'était beau, hein. Ah. Par contre, les mantides sont très très bien faits aussi, je trouve. Hein. Ah oui. Ah. Allez hop. Ish. Voilà. Ah, encore une amulette. Ah, quand t'es mobile là. Alors, est-ce que j'ai quelque chose? J'ai rien eu et. Il y a 3 ans de placement là d'amulettes. Ah bien un peu de trucs quoi. En plus il y en a plein que j'ai jeté des amulettes alors que je savais pas qu'il fallait faire ça. Bah maintenant comme ça tu le sais du coup. Bah ouais maintenant je sais ouais. C'est moins plomb. Ah, deuxième Ah boss. C'est pareil, c'est un bah gros tiens, vert pas beau. prends une chenille. Ouais, bah regarde, il y a toujours des zombettes quoi. Ah, tu vois, la grosse charogne, les deux ensemble, t'as vu qu'ils font mal? Ouais. Ça va, hein? Par contre, j'allais prendre de la vie, moi. Hop. Bah, va chercher ta vie, il y en a plein devant le boss. Ah! Ah Tu t'es fait non! manger. Oh! Tu vas Je être pleine de bave après. suis pas Tu dis si je dois citer quelque part et que je dois venir taper ou. Bah non, tu dois taper le boss hein, pour l'instant pour sortir quoi. Je suis dans son. Là voilà, ça y est, il m'a recouché. Oh, t'es pleine de bave, dis donc. Ah, bah c'est bon, je pas niché, hein, non. La peine, hein. Puis, Ah, ma robe de maman de Noël, du neuf, propre là! Pas possible, hein! Elle va Tiens! lâcher le pressing. Ah, bah oui! J'ai fait. Oh! Ça, c'est pas drôle! J'ai fait un pseudo-digéré par une. C'est quoi, c'est une De verre gorge invoquée, c'est dégueulasse. ça? Des gorges insondables. Insondable. C'est bizarre. Après, je me tais, après, on va encore dire que je suis bizarre. Ouais, on a fini. GG. Ah, une faux bleue. Ah, j'ai un artefact, ouais. Ouais, elle est moins bien que ce que j'ai, tu vas me dire. Ouais, mais moi, elle est pareil, elle est moins bien que ce que tu fais. Mais lol. En Ah fait, oui. j'ai rien, quoi. Pff, putain, fais chier. En fait, tu penses que t'as rien, mais t'as déjà des trucs bien, en fait, c'est ça le problème. Ouais, mais non, enfin, j'ai quoi? J'ai 4800 de prestige, quoi. Ah oui, moi je suis à 5009. Voilà, non. Bon, Ah allez. bah oui. Quête Bon, terminée. on a terminé, je me suis fait bouffer.
Ah, changer voilà. de récompense. Ah, on peut choisir? Non, moi je pouvais pas choisir. Ah, moi je vais prendre ça, les trucs pour le nouvel event, l'ordre de mobilisation. Et j'ai zéro. J'ai zéro truc. Bon, bah on verra. Bon, petit chargement. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu. Bon, le donjon était relativement facile, mais pas mal. Bon, les boss étaient répétitifs. Le décor était sympa. Après, les mantides, ça passe. Ils étaient pas mal. Enfin, moi, j'ai pas été déçue. C'était sympa. Oui, c'était sympa. Voilà. Donc, on vous dit à la prochaine pour la suite de nos aventures sur Skyforge. À bientôt. À bientôt. Bye bye.